Channel, j'espère que vous allez super bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Belle Claire. Merci aux anciens et aux nouveaux abonnés. Et si tu es de passage, clique là sur la petite guerrière pour ne plus rien rater de tout ce que je partage. Il ne vous parle pas, vous ignore, brûle le bois sacré et reprend la conversation. Pour ce rituel d'aujourd'hui, tu aurais besoin d'une bougie rouge et une bougie blanche. Les deux iront ensemble. Je dis bien une bougie rouge et en plus une bougie blanche. Allumez les deux. Donc ce rituel est vraiment merveilleux, fantastique pour reprendre la communication avec cette personne-là qui vous ignore, qui vous a oublié, si ça fait longtemps qu'il ne t'écrit plus, qu'il ne te parle plus. Voilà, tu es bloqué partout dans les réseaux, etc. Voilà, donc ce rituel aussi va encore te faire, va aussi faire fluir la communication dans ton couple. Si tu es là avec ton couple et après, bon, il n'y a pas trop de communication entre vous, il n'y a pas vraiment, de dialogue et tout ça. Donc, ça va aider aussi cette personne-là à avoir la communication, pour qu'il y ait la communication, ton fiancé, ton mari, ta soeur, etc., un familier, même les enfants, au bureau, au travail, des copains, etc. Tu peux réaliser ce rituel-là avec tout le monde du moment où tu suis les pas que je vais te montrer en ce moment. D'accord? Donc, tu aurais besoin d'un bois sacré. Là, je ne vais pas prendre un bois sacré complet. Vous savez déjà, je ne vais pas répéter là. Hein? Vous ne me faites pas les dons. Donc, je vais terminer ce bois sacré. Donc, tu prends un bois sacré entier. Pas déjà brûlé. Hein? Un bois sacré entier. Tu vas venir ici, écrire le nom de la personne que tu as besoin qu'il ait la communication avec toi. Tu vas écrire son nom 3 fois sur le bois sacré. Donc, son nom complet avec du feutre. Je préfère avec du feutre parce que le feutre est plus facile. Le feutre rouge est plus facile pour écrire le nom que le bic rouge. Tu vas écrire là, je vais mettre par exemple Joseph, nanana. Tu vas tourner, tu écris encore Joseph, nanana. Joseph, nanana. D'accord? Ça fait 3 fois. Maintenant que tu as écrit déjà Joseph, nanana, tu recommences, tu mets plus. Belle Claire qui est toi, d'accord? En dessous maintenant, plus Belle Claire, d'accord? Plus Belle Claire, d'accord? 3 fois comme tu me vois faire là. Premièrement, le nom de la personne à qui tu as besoin de faire le rituel, que la communication soit. Ensuite, maintenant, tu mets plus. Tu mets ton nom, toi qui es en train de réaliser le rituel. Tu dois choisir quelque chose auquel tu dois brûler ton rituel. Si tu as un porte-bougie auquel ton bois sacré peut rester debout comme ceci, super idéal. Si tu n'as pas, trouve-toi un truc de ce genre et puis quand tu vas l'allumer, ça pourrait rester brûlé là comme ceci, d'accord? Mais ça serait beaucoup mieux de le mettre dans un porte-bougie.
Comme ça, d'accord? Bref, ce que vous avez, ce que tu as sur la main pour mieux brûler ton rituel. Donc, une fois ceci, tu vas allumer ton bois sacré. D'accord? J'ai bien dit, c'est un bois sacré normal, pas utilisé. Je vous montre avec celle-ci parce que j'ai besoin de la terminer. Je ne veux pas prendre un bois sacré entier pour vous montrer ce rituel. J'ai besoin de terminer ceci. D'accord? Donc, une fois ceci, tu peux l'allumer avec des allumettes, mais c'est plus difficile, plus compliqué. Ça prend beaucoup de temps avec les allumettes. Donc, tu l'allumes à partir de ta bougie. Peu importe que ce soit la rouge ou le blanc, peu importe. L'essentiel ici est que tu allumes ton bois sacré. Qu'elle s'allume. Tu vas l'allumer bien. Prends du temps. Ça prend un peu du temps pour l'allumer. Donc, voilà. Elle a pris vraiment feu. Donc, tu vas le mettre dans ton porte-bougie. Ou alors, tu le laisses là, comme j'ai dit. Et elle va brûler. Soyez vigilant, reste vigilant. Ne brûle pas ta maison. Laisse brûler pendant un moment et après elle va s'éteindre. Si elle s'éteint, tu reprends encore et puis tu allumes depuis ta bougie et tu déposes jusqu'à ce qu'elle brûle. Je vais dire jusqu'à ce qu'elle brûle. Il va te rester juste le bas, quoi. Donc, il est important qu'elle brûle jusqu'à ce qu'elle te reste le bas. D'accord? Donc, si elle s'éteint, tu rallumes encore et encore, tu le déposes et voilà. Donc, les résultats sont merveilleux. Comme je dis, il va t'appeler. Il va appeler, il va t'appeler. Tu peux aussi le réaliser. Pour reprendre la communication, tu peux aussi le réaliser pour reprendre la communication avec tes parents, comme j'ai dit, des familiers, des amis. Si tu as peut-être une soeur qui ne te parle plus, réalise ça par rapport à ça. Mais sur le bois, tu vas écrire le nom de la personne, de la soeur. Tu peux aussi le faire pour une amie, pour quelqu'un que tu as perdu depuis, pour un familier, pour ton patron, je sais pas, bref, pour la personne que tu as besoin qu'il reprenne ou qu'elle reprenne la communication avec toi, pour ton chéri à la maison, pour ta fiancée, voilà, tu le fais, mais l'important c'est d'écrire le nom comme j'ai dit. Voilà, c'est en train de s'éteindre. Une fois que c'est éteint comme ceci, que c'est brûlé jusqu'à un niveau comme la mienne là, tu vois bien, c'est brûlé comme ceci. Donc, tu vas prendre les restes là, les débris là, que tu iras enterrer. Tu as le choix de l'enterrer, d'aller enterrer les restes, d'accord? Ou encore les restes là, tu vas tout simplement le verser dans tes toilettes et voilà, c'est tout. Donc tu vas être surpris des résultats. Je te dis, tu seras surpris de ce que ça t'apporte. Il y a des personnes qui ne supportent pas l'odeur forte du bois sacré parce qu'elle dégage vraiment une odeur vraiment très forte. Et le bois sacré, je vous ai déjà parlé dans certaines des vidéos, elle nettoie, elle purifie également la maison, elle purifie l'âme, etc., etc. Donc, il est important de le brûler parfois même pour vous-même dans la maison, comme ceci. Tu le prends avec toi, tu te balades partout, donc tu le passes d'abord sur toi, toute la fumée là. Et ensuite, tu te balades dans tous les coins de ta maison avec chambre, toilette, cuisine, etc., balcon. Terrasse et tout, tu vas partout, partout avec elle, purifie, elle va éliminer tout ce qui est énergie négative et tout, et laisser ta maison vraiment en harmonie. Donc, le bois sacré a beaucoup de fin, elle a beaucoup de bonnes choses, comme tu peux le constater. Je l'ai allumé juste avec du briquet, mais on dirait qu'elle contient de l'essence, mais en fait, elle contient une huile là, une huile magique. C'est pour ça qu'on l'appelle bois sacré. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo va t'aider, que tu vas le réaliser avec tout cœur, amour, d'accord?
N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout partager, car ici, nul n'a le droit d'être heureux toute seule. Ceci dit, porte-toi bien. À très bientôt, belle.